Bonjour tout le monde! On se retrouve aujourd'hui avec mon assistante, voilà, <laughs> avec Fifi qui m'a suivie dans ma pièce, dans mon atelier. Bonjour! 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 Alors, elle, quand elle, quand elle voit que je monte dans l'atelier, c'est Maman, dépêche-toi de monter. Moi, je suis déjà en haut et toi, tu es encore en bas de l'escalier. Alors, je miaule, je miaule, je miaule pour que tu, tu arrives plus vite. Ah Qu'est-ce qu'elle me fait là Hein Ah oui Où tu vas Je ne sais pas où elle va là. <laughs> je ne sais pas où il va, mon petit singe. Ouais. Alors, aujourd'hui, petite vidéo spéciale. Oh <laughs> elle va finir par me griffer. Tu veux que je te pose Tu veux que maman elle te pose vertige là-haut. Euh, je vais vous montrer la commode terminée. Euh, elle est terminée déjà depuis plusieurs jours, mais euh, je n'avais pas eu le temps de faire la vidéo. Voilà, je suis très prise. Que voulez-vous <laughs> Attendez, je vais la poser parce que là, elle est accrochée à mon pull. Oh, attends. Attends. Oh, voilà. Je vais aller là. Ah, oh, elle est accrochée. Attends, t'as une papa d'accrocher Bon, on va couper. Voilà. Oh <laughs> elle était complètement accrochée dans le pull. Euh, je disais donc, je vais vous montrer aujourd'hui la commande terminée. Et je disais, elle est terminée depuis plusieurs jours. Euh, je ne vous ai pas fait de vidéo entre deux, je suis désolée, mais bon, je ne sais pas. C'est compliqué. Mais je vous referai des vidéos. Puisque j'ai encore une vidéo à refaire. Euh, une vidéo. Une commande à refaire. Et plus encore une après. Euh, donc, j'aurai tout le temps de vous refaire des vidéos euh, sur, euh, sur cette commode. Oui. Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'il y a, ma râleuse <laughs> Euh, alors j'espère qu'il n'y aura pas de contre-jour parce que là où elle est placée, moi je ne peux pas la déplacer toute seule. Parce qu'elle pèse un poids de diable, comme on dit. Euh, je n'ai pas pesé, mais euh, elle pèse un poids mort. Hein Ouah euh, je crois qu'elle doit euh, pas loin des 10 kilos. Je n'ai pas pesé, mais je crois qu'elle ne doit pas faire loin des 10 kilos. Donc quand j'ai besoin de la bouger, là, euh, j'appelle Chouchou à la rescousse. <laughs> euh, D'ailleurs, quand il va falloir la descendre, euh, quand la personne va venir me la chercher, euh, Chouchou va devoir venir m'aider pour la descendre dans l'escalier parce que moi, je ne pourrais pas. Voilà. Moi, c'est impossible. Impossible de la bouger. <laughs> Allez, je vous montre le monstre. Euh, et on se retrouve tout de suite. Alors, voilà, ben ça va. Je crois qu'il y a pas trop de contre-jour. Sinon, je fermerai le rideau derrière. Alors, vous j'ai mis le petit livre de poche à côté pour vous rendre compte de la taille de cette commode. Donc, vous avez vu le thème la fée clochette. Euh, donc, il y a trois grands tiroirs sur le côté. Euh, Profond, je vais vous les montrer. Et 6 tiroirs, euh, oui, c'est 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui, je ne sais même plus combien de tiroirs j'ai fait. <laughs> euh, donc, plus plus plat. Voilà, c'est ça que je voulais dire, mais plus, plus large. Voilà. Donc, euh, c'est une. Alors, elle fait 50 sur 55. 50 euh, sur 55, oui, c'est ça. Euh, je ne saurais plus vous dire le nombre de plaques de carton que j'ai utilisées pour la faire, euh, mais un certain nombre quand même. Euh, il m'en a fallu quand même pas mal, donc du 3 mm, du 2 mm, hein, et puis après, il m'a fallu du carton de gainage. Voilà, mais il m'a fallu quand même un, un certain nombre de de plaques de carton pour la faire. Alors, je vous montre le dessus. Hop, hop, hop. Voilà. La fée clochette, hein, avec sa copine, fait clochette également. Alors, attendez, je vais enlever le livre de poche. Voilà. Toujours la petite fée clochette hein, sur le côté. Alors, derrière, il n'y a pas de tissu, puisque le derrière ne sera pas vu, j'ai demandé à la personne. Donc, on n'allait pas user du tissu pour rien, ni sur le dessous sur le l'arrière et le dessous voilà ce que j'ai mis ça fait un peu euh, aggloméré mais ce n'est pas hein, c'est du c'est du fin carton voilà mais j'ai mis ce côté là côté marron c'est moins salissant Bon, je ne peux pas vous montrer le dos hein, parce que je dis, je ne peux pas la bouger du tout moi-même, mais voilà ce que j'ai mis derrière. Alors, les tiroirs, les grands tiroirs, voilà ce que ça donne. Vous voyez, ils sont profonds. Donc, c'est les tiroirs qui font 40 cm environ de profondeur. Hein. Hop. Voyez. Et là, donc, ce sont des tiroirs. Là, on peut en mettre hein, des choses, vous voyez. Alors, il y a... Alors, c'est parce que comme j'ai dû remettre, j'ai dû refaire là les, les, les entre... Les les entre-tiroirs, oui, c'est un nouveau mot. Hein. Euh, Ce qui pose les tiroirs, au début j'avais fait du 2 mm. Voilà. Euh, mais euh, ça ne... Après, j'ai réfléchi, j'ai dit, vu les... la grandeur de comment De la commode, euh, le poids va... va faire affaisser la commode. Donc j'ai je... changé, j'ai mis du... J'ai mis deux x 3 mm pour que ça fasse du 6. Alors, vous euh, voyez ici, là, les étagères, si vous voulez. Donc, il comme mes, mes coupes étaient déjà faites, il y a des petites euh, différences au niveau des tiroirs. Euh, cela, tout cela, ici, ont la même taille celui d'en bas 2 mm peut-être en moins et par contre celui d'en haut est beaucoup plus petit que les autres voilà euh, voilà il est plus petit vous voyez mais bon c'est pas c'est pas grave ça choque pas mais du coup euh, celui du haut est plus petit mais bon. Je pouvais pas faire autrement hein. je ne pouvais pas tout re, tout redémonter enfin tout de toute façon là la, la commande aurait été foutue hein, si je démontais puisque une fois que c'est collé euh, ça colle bien donc voilà donc là j'ai recoupé bon on voit une petite différence mais c'est normal avec euh, la coupe j'ai fait au mieux j'ai fait au mieux pour le ventre mais bon, on voit une un toute petite différence il manque on voit qu'il manque un petit 5, 5, 5 mm pour son ventre mais ça va donc ensuite j'ai tout décoré avec du ruban euh, c'est du gros grain voilà pas facile à dire hein, le gros grain <laughs> euh, je vous montre de plus près voilà avec plein de petites euh, fées clochettes voilà les petites poignées ici donc voilà voilà la petite commode enfin petite façon de parler hein. donc sur le côté là je sais plus si je vous l'ai montré c'est pareil hein, c'est de la fée clochette il y a beaucoup de fées clochettes. Bon, ce n'est pas mon style à moi, hein, la fée clochette. Mais bon, on me l'a demandé, je l'ai fait. <laughs> Mais ce n'est pas du tout mon style. Hein, moi. Donc voilà, ici derrière, j'ai remis des petits angles pour que ça ne s'abîme pas. Voilà. Et là, derrière, alors, j'ai quand même Vous voyez, voilà. Voilà ce que ça fait derrière. Donc, comme le derrière va être contre un mur et donc c'est pareil sur le dessous. Le dessous, alors j'essaie je de voir, il y a une bordure de tissu rouge. J'ai fait juste une bordure tout autour du carton et euh, en dessous il y a le même carton euh, que je viens de vous montrer dans le dos. Voilà, voilà, voilà. Donc c'était la commode terminée. Donc j'espère qu'elle va plaire. Bon, la personne vient la chercher à la fin du mois. Donc euh, là, je dois attaquer la deuxième. Donc la deuxième, euh, les grandes découpes sont déjà faites. Je vais les coller là. Euh, après, il faudra que je découpe les tiroirs une fois qu'elle sera collée. Je ne sais pas si je vais faire les mêmes tiroirs. Je vais voir avec la personne. Euh, Peut-être euh, voir avec elle pour faire d'autres formes de tiroirs. Et puis, euh, voilà. Par contre, ce sera toujours le même tissu, la fée Clochette. Euh, là, là c'est la fée Fifi. La fée Fifi. <laughs> Donc, voilà. Bon, ça va, on ne l'a pas trop vue à contre-jour. Ça a été. Donc voilà, vous avez vu aujourd'hui donc la commode terminée qui m'a fait transpirer cette commode. <laughs> euh, euh, oui, ma fifille. Bon, là j'étais très très longue à la faire. Alors je sais, mais à coup pas la personne. Elle le sait, de hein, toute façon, j'étais hyper longue pour la faire. Euh, là, il faut que par contre je fais euh, rapidos la deuxième. <laughs> parce que euh, normalement elle vient chercher la deuxième en même temps que celle là donc là il me reste euh, bah, trois semaines hein, pour faire la deuxième euh, donc euh, ça va être chaud aux patates mais on va essayer de faire son possible par contre la troisième euh, bon ben je, comme je lui ai dit j'irai la reporter chez elle euh, puisqu'après cette personne ne pourra pas se déplacer euh, J'irai la reporter chez elle. Elle est dans le Nord, donc il euh, n'y a pas de souci. Voilà. Parce que là, euh, deux, je ne pouvais pas en faire deux ce mois-ci. C'est impossible. Oui, ma fifi. Oh, elle fait des câlins. Elle fait toujours des câlins. Elle fait toujours des câlins. Regardez, des câlins, des câlins, des câlins. Des oh, elle oh, elle des câlins. Oui, oh, c'est moi, il aime Des câlins, des des câlins. Oui. Oh, et... oh, là, là. oh là, 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 là là Elle se retournerait la tête pour avoir un câlin. Là, elle aime bien, ça. Vous voyez là, Le câlin cucu. Alors, le soir, c'est un rituel avec Chouchou. Elle se met sur le fauteuil, sur la coudeur du fauteuil, quand mon, mon mari va se coucher. Et il lui faut, là, son câlin cucu. Et elle le sait, hein, on le dit. Câlin cucu et puis elle vient. Et puis, oups, c'est la cucu. Ah oui, on fait caca cucu. <laughs> ce chat il est fou. Petite, petite fifi folle. Bon, allez, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. On se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures plein de belles choses, comme d'habitude. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette commode. Allez, à bientôt. Bisous, bisous.